what does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a I'm on the back.
feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like chasing ghosts, I know you're out there. Et bonsoir les gars, comment ça va? Déjà 4... incroyable, vous êtes des fous les gars, je viens de voir, j'étais en train de faire les réglages sur le stream, je mettais tout bien, je réglais, j'avais mon stream là parce qu'il était ouvert. Déjà, on est déjà à 5... non pardon, 4. 4 follow? 4 follow? Alors que le stream était même pas encore lancé. Merci énormément les gars, ça fait grave plaisir honnêtement. Je vis ça, je fais... Ils sont chauds, ils sont déjà au taquet. Là ce soir, il va falloir bombarder parce que honnêtement... Franchement, ils ont l'air incroyables en fait. Ils ont l'air totalement incroyables. En tous les cas, merci à NeoShark, Epic Player, Kazuko Baguette. Il y a Milly Live aussi qui vient de follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Et aussi, du coup, Bapti. Merci à vous pour les follow, les gars. C'est super gentil. Et vous êtes des fous. C'est même pas pour commencer que, honnêtement, c'est déjà assez le feu là, aux côtés des notifs. Alors attendez, est-ce que je vais être invité par Aenir? Du coup, ce soir, alors j'ai pas beaucoup d'infos. Pré-match, on est à quelques minutes du coup d'envoi. Compétition que je ne connais pas, équipe que je ne connais pas, mis à part T2S. Donc j'y suis allé un petit peu. On m'a proposé le cast en fin d'après-midi. Et j'ai dit oui, j'aurais dû demander plus d'infos, c'est vrai. Donc du coup, pour le coup, j'y vais un petit peu à l'aveugle. Hein, c'est. Un tournoi que je ne connais pas, donc du coup, les championships, c'est, on va dire, Awaken League. Je suppose qu'il faut le dire à l'anglais. On m'a dit que c'était la première journée, donc je suppose que c'est encore des qualifieurs. Je ne connais même pas le niveau, si quelqu'un peut me donner le niveau des teams dans le chat. Ça doit être peut-être, je pense, du GC1, peut-être. Le GC1, peut-être C3. Je ne sais pas du tout, hein, je spécule. Je spécule. Diamant. D'accord, j'y étais pas du tout, c'est pas grave. Du coup, c'est des line-up diamant. Ok, d'accord. Bah, écoutez, ça va prendre quand même, hein. Diamant, c'est quand même... on a quand même des bonnes bases sur Rocket League, c'est-à-dire que... les fondamentaux sont quand même là. Donc, à voir comment ça va se dérouler sur le terrain. En vrai, que la meilleure gang, mais évidemment que la meilleure gang, que du fair play ici, n'oubliez pas. N'oubliez pas, les gars. Demande si je suis ready, bien évidemment que je suis ready, vous pouvez lancer la game les gars, y'a pas de problème. Moi en attendant. Voilà. Bien sûr, et les supporters des deux équipes qui ont commencé à s'amasser à l'entrée du stade pour manifester leur soutien à leur équipe. Ça y est, la game vient d'être lancée, je vais pouvoir... switch de scène. En plus tous les joueurs sont présents. Je vais juste regarder avant de dire que je suis ready du coup le nom des gens qu'on a en face. Même la line-up de T2S. Du coup on a Berofolo, Aenir et Lowers pour T2S. Et je suppose que nous avons du coup Glory, L3
et Oopsie Doopsie pour dire la MFF. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Ça m'arrive, les gens qui sont habitués à mes streams savent que des erreurs très vite concernant le nom des joueurs, la prononciation ou même la team à laquelle ils appartiennent. Donc n'hésitez pas à me reprendre dans le chat. Avec plaisir. Dans tous les cas aussi, on a essayé de, pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a essayé aussi de régler peut-être les petits problèmes de frame, de drop de frame qu'il y avait sur le stream. J'espère que ce soir ça va marcher assez bien. Dans tous les cas, c'est un BO5, je ne l'ai même pas précisé, on part directement dans cette première manche. C'est parti, c'est Aimir qui directement passe à l'attaque avec ce dunk dans l'infini, ce n'est pas cadré. Ça sera sécurisé par L3 dans le corner. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre? On a un petit peu de ressources, cette balle qui est envoyé, attention au double commit entre les deux joueurs de MFF, ça pourra profiter, c'est un pinch qui est envoyé loin devant. On va venir essayer de remettre cette balle infield, attention ici le Glory qui peut commencer à être dangereux. Hero follow, oh la petite transition avec Aïen, ça a pu être pas mal, L3 qui était bien placé pour pouvoir arrêter cette balle, pas trop de soucis jusqu'à maintenant. Allez, Owers, on va tenter cette remise infield, malheureusement c'est un petit peu fort et ses mates sont un petit peu loin. Owers toujours, on va tenter cette balle, c'est Aïen qui va voir passer à l'attaque, malheureusement on pourra pas se setup. Double tap, on était présent sur ce backboard pour pouvoir défendre du côté de MFF. Hero follow, cette remise infield, Lower directement le tir, on va pouvoir venir chercher ce mes poteaux. Voilà, très bien vu, 40 secondes de jeu qui viennent à peine de s'écouler. Déjà les joueurs de T2S qui passent à l'attaque avec cette ouverture de score. Très bien vu, on a très bien passé le Wars sur cette action pour le coup. On est venu chercher une petite ouverture, premier poteau. Très bien vu. Allez, ce kick-off là qui sera à l'avantage de l'MFF. Si on a un petit peu raté cette relance dans le corner, ça va être L3 qui va devoir intervenir. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre du côté de Glory? Non, bah, ça passera pas, c'est clair loin devant. Attention, à Lowers, ça pourrait passer à l'attaque. On arrive pas à prendre une démo pour sauver son goal de justesse là, du côté violet. Allez, Glory, cette relance directement dans l'axe. Lowers, c'est ce qu'on peut récupérer. On a un petit peu de boost. On a vu l'appel de balle de son mate sur le wall. Si on roule un petit peu mal à droite entre les deux joueurs, malheureusement, ça ne passera pas. Est-ce qu'on peut tenter peut-être le Doomzidish? Ça ne passera pas. Magnifiquement bien défendu, sa première poteau. Allez, Hero Fall, on va pouvoir cut cette balle. On est sur le wall. Tiens, un petit peu raté cette relance. C'est le Wars qui va pouvoir en profiter. Aïnir. On a peut-être sauté un petit peu vite sur cette balle. On a peut-être dû laisser son mate finir son action. En tous les cas, on va pouvoir clairement du côté de Glory. Attention quand même à Wars qui était là pour casser cette balle. Ça s'approche des cages, mais pas trop de problème pour les trois. C'est vraiment bien que ça continue quand même au tir de Aïnir juste derrière. Une balle qui le met pour intervenir. C'est en train de décaler, sécurisé près du wall. C'est de blesser un petit peu cette balle. Aïnir, c'est pas mal fait. Un petit rebond sur le backboard. Malheureusement, personne ne sera là pour pouvoir en profiter. Au follow dans le corner face à L3, on arrivera à dégager cette balle. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à quitter cette surface violette. Et un petit peu et là pour les joueurs de la MFF. Pour l'instant, la défense tient bon. Attention quand même, on va se faire surprendre par peut-être une accélération de T2S. Elle va relancer cette balle. Wars directement, on va peut-être venir chercher le wall opposé. Est-ce qu'on continue? On arrive à éliminer deux joueurs, plutôt pas mal fait. Glory, attention, une passe rapide. On est dans le défenseur, il va falloir sécuriser cette balle. Oula, Wars. Oh, un petit back pass. Ça passe, je pensais que c'était un loupé, mais ça passe finalement. T'as profité. Malheureusement, le Wars, le pré-flip qui ne passera pas. Quel dommage. Il n'avait plus de ressources, notre Lowers. C'est compliqué, on a tenté le pré-flip pour sauver cette balle de justesse, mais ça ne passera pas. Ah, c'est terrible. Et les compteurs sont remis à zéro. 2 minutes 43, rien n'est joué encore. C'est Aïnir qui va prendre l'avantage. Essayer peut-être de reprendre depuis le wall, on sent un petit peu plus subité, on avait de la ressource, je pense qu'on aurait fait son temps, on avait pris de Aïnir. En tous les cas, aussi pour essayer de donner un petit peu d'impulsion, le voir si peut faire un peu contre, on est en 1v1 face à L3, on a tenté le tour direct, ça ne surprendra pas là, le défenseur de MFF. 3 directement, est-ce que c'est cadré? Attention à cette balle, Aïnir qui va très bien défendre, c'est décalé, on va laisser le train, ça va être se replacer. Allez, le Wars avec Aïnir, la transition sur le wall, est-ce qu'on peut essayer de reprendre, peut-être la remettre une file pour son mate? Alors on se cherche là un petit peu entre les coéquipiers de... Entre les coéquipiers... Qu'est-ce qui se... Non! J'allais dire qu'on se cherchait entre les coéquipiers de T2S. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, le on goal de... il me semble que c'est Oopsie Doopsie ou... Non, c'est Glory. Ah, dommage! Ce clear raté qui finira dans les cages, c'était l'erreur à ne pas commettre. Dans tous les cas, du coup, c'est T2S qui va pouvoir reprendre l'avantage. 2 minutes, on a encore largement le temps du côté de MFF de pouvoir remonter. Allez, Lowers, ça passe directement à l'attaque. Cette balle qui reste au milieu de terrain. Aïnir, oh, on a essayé de partir, mais on a vu que le setup n'était pas forcément très favorable hein, sur cette action. Et le petit crochet de Aïnir, on arrivera à éliminer un premier joueur. Cette balle qui va directement envoyer. Attention, est-ce que c'est cadré? Non, ça va venir trouver le backboard. Allez, Bero follow tranquillement. Est-ce qu'on peut essayer de clear cette balle? Glory pour le cut. Aïnir, premier poteau, c'est plus bien fait.
Faut voir si on peut se donner un petit peu d'impulsion, c'est plutôt pas mal. On a encore un petit peu de boost. On a Lignard qui décide encore une fois de se jeter. On a tendance à passer un peu devant son mate hein, du côté de Lower Sainir. On se quête un peu mutuellement. Attention, ça pourrait être dangereux et donner des occasions, pourquoi pas MFF. Attention à ce genre de prise de risque. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire quand on choisit cette option. Allez, L3 depuis le backboard tranquillement. Est-ce qu'on peut essayer d'éliminer un peu le joueur? Lignard qui sera là directement pour renvoyer cette balle infield. C'est aussi très bien défendu premier poteau. On va chercher une démolition, peut-être pour se donner un petit peu d'espace. C'est Glory qui a pour reprendre, c'est le bat qui prend de la vitesse. On est dans le corner, Aïnir qui sera là pour pouvoir défendre, pas de problème. Est-ce qu'on peut essayer de prolonger un petit peu? Le qui sera remis au milieu de terrain, ça veut dire qu'il va pouvoir profiter à L3 qui a pour prendre le pouvoir shot. C'est renvoyé dans le corner. C'est le bat qui va tamper un petit peu le war. C'est renvoyé dans l'axe directement, Aïnir prend position, c'est plutôt bien fait. Le setup qui est bon directement, est-ce que c'est cadré le lucarne peut-être? Et c'est le poteau rentrant. C'est très bien vu de la part d'Aïnir là, très belle passe. Très belle passe de son mate. Ça s'est très bien goupillé là entre les deux joueurs. C'est le break qui est créé à 50 secondes de la fin. Là, on va pouvoir se sentir un peu plus en sécurité du côté de T2S. Mais attention, rien n'est fait encore 50 secondes. On peut largement voir MFF revenir. Allez, Lower, cette balle qui est remise directement une file. Malheureusement, personne ne pourra en profiter. Outil double qui attaque, on a de la ressource. On tentait le rebond sur le ceiling. Mais malheureusement, ça va directement retomber dans les roues de Berofolo. Oula, il vient se clear très lointain. L3, faut pas se rater le rebond backboard directement. Est-ce que ça pourra profiter? C'est l'open derrière qui sera pris par Aïnir. Ah, malheureusement, c'était le ballon à ne pas rater là du côté de L3. Je pense qu'on a pris un peu de pression. On l'a vu la balle arriver à toute vitesse. À 4 à 1, 30 secondes, c'est compliqué. On peut peut-être espérer un miracle, mais. Ou du moins réduire l'écart pour donner un petit peu confiance, mais là ça s'annonce compliqué, mais il faut y croire, il faut garder le moral directement à l'attaque, ça ne passera pas, ça vient trouver le backboard. Allez Glory peut-être pour peut-être un deuxième tir juste derrière, non malheureusement on ne sera pas suffisamment bien placé pour tenter cette action. Et Dero follow peut-être pour le move solo, ça peut passer, ou c'est Dupsi qui va reprendre juste devant sa cage, tout bien fait. Par contre je pense que c'est compliqué, est-ce qu'on peut essayer peut-être de mettre un dernier but du côté d'MFF pour donner un petit peu confiance pour cette prochaine manche de BO. Sur là ça va drop juste devant les cages, le voir ce qui était présent, Glory qui va pouvoir save cette balle de justesse. Si on essaie de tamper un peu dans les airs, malheureusement je pense pas qu'on puisse en tirer grand chose. Venir directement qui va peut-être venir chercher ce cinquième but. Non ça ne passera pas, ça trouvera le sol. Mais c'est bien T2S qui va pouvoir remporter cette manche de BO. Alors, le niveau partait quand même plus ou moins équilibré, mais peut-être qu'on savait que du coup T2S aura su prendre l'avantage. Dans ce BO, attendez peut-être à un niveau un peu plus équilibré. Dans tous les cas, c'est une game de chauffe. On rappelle les premières games de BO, c'est toujours là où on juge un peu son adversaire. Donc, nous ne sommes pas du tout à l'abri de voir MFF pourquoi pas revenir et même pourquoi pas prendre l'avantage. Donc, à voir ce que ça nous réserve dans cette game, dans cette prochaine game. Allez, les joueurs qui sont directement rentrés, pas le temps de faire de pause stratégique là, il faut réussir à pourquoi pas creuser l'avance ou remettre les pendules à zéro. Dans tous les cas, allez, un petit peu raté cette relance, attention à Lowers pour la prise de vitesse, on est sur le backboard, est-ce qu'on peut essayer de remettre une file pour son mate? Malheureusement, on s'est un petit peu précipité là, le toucher de balle qui n'aura pas lieu à Aïnir depuis le wall, on arrive à maintenir cette balle dans le corner, est-ce que L3 va pouvoir intervenir? C'est dégagé. Allez, peut-être L3 en deux temps, c'est renvoyé directement dans le corner, Lowers, ce qui sera présent, attention, return qui peut être dangereux, c'est renvoyé directement une file, malheureusement on est un petit peu loin là du côté de MFF. Très bon 50, ça va pouvoir être à l'avantage de notre équipe violette, malheureusement on ne pourra pas en profiter, c'est dommage, on avait un bon rebond sur le backboard, on aurait pu en faire quelque chose. Allez, L3 c'est clairement devant, c'est plutôt pas mal, essayer de la vitesse, est-ce que Oupsi peut prendre la position? Non, malheureusement c'est raté, il va falloir continuer du côté de L3. Si encore on tente de tirer direct, le Rofolo qui était présent en premier poteau, pas de problème pour le joueur de T2S là pour le coup. Ou Aïnir, cette petite touche, plutôt pas mal, on est venu chercher le deuxième poteau, ça ne passera pas. Pour l'instant la défense est en place dans ces cages de MFF. Et les Rofolo, on a de la ressource, on a peut-être de quoi faire. De quoi en faire, non ça ne passera pas malheureusement. Allez Aïnir pour cette relance. L3, ou attention à cette balle qui est levée, est-ce qu'on va pouvoir en profiter du côté T2S? Non c'est bon, Sidoupsi qui va pouvoir sécuriser cette situation. Et en foulant de temps, on a pris le boost. Lowers, ou cette balle qui est renvoyée sur le wall. Je pense qu'on s'est un petit peu raté là, hein, entre les deux joueurs de T2S. Pour l'instant, ça n'aura pas d'importance. Ça ne les a pas mis en danger, donc pour l'instant, tout va bien. Et Aïnir, on a tenté la passer une fille, mais Flo qui n'a pas forcément osé trop s'avancer. On savait qu'on était le dernier défenseur et qu'on n'avait pas le droit de se louper. Aïnir, encore une fois, on aime bien les.
On aime bien les touches, les petits redirects en arrière là, du côté de Aenir. Ça touche beaucoup les balles dodo. C'est un style. Allez, ça va drop là, juste au pied du backboard. Est-ce qu'on peut essayer d'en profiter du côté de Hero Follow? On a un peu de ressources, malheureusement ça va passer un petit peu, peut-être un peu de précipitation là sur cette touche, alors qu'on avait on avait de l'espace, il y avait pas de pression qui était mise. Aenir, attention, cette lance ratée, est-ce que ça pourra profiter peut-être à Glorious en Horizon Corner? Avec quelqu'un pour prendre ce rebond directement, oupsi sur Minfield, dommage, on voit ce qui était bien placé pour pouvoir défendre. Bien vu là, entre les joueurs de MFF, on aurait pu espérer quelque chose. Et après, c'est constaté que la défense de T2S est bien en place. Et Aenir, cette balle qui est levée, est-ce qu'on peut essayer de reprendre? Ça ne pourra pas prendre de rebond sur le backboard. C'est très bien cette balle qui va drop juste à côté de la lucarne. Heureusement, on est très solide là pour l'instant dans ces cages violettes. Et bon, le petit rebond, c'est plutôt pas mal fait. Glory, bon, cette relance, le Wars, on va sécuriser cette balle sur le wall. Attention, ça peut être dangereux cette remise infield. On décide de renvoyer dans l'axe du côté de Hero Follow. On savait que cette maille était en place. Allez, le 1v1 peut-être dans le wall. On a un petit peu raté son flic. Malheureusement, du côté de Lower, ça ne passera pas. On aurait une démo. Est-ce que cet espace va pouvoir profiter à T2S? Je ne sais pas. Mais attention quand même, Lower qui est parti. On va peut-être fake cette touch. Je ne sais pas. Je sais pas si c'était un fail ou un fake. Heureusement, ça ne passera pas. Allez, Aenir, encore une fois, on se retrouve. Avec un joli boulevard devant soi, malheureusement encore une fois on ne pourra pas en profiter, on arrive toujours à plutôt bien recover hein, du côté de MFF. Peut-être trop d'espace qui est laissé, mais en tout cas une fois que la défense est placée, ça reste solide. Plus que deux minutes de match, et toujours aucun but de marqué pour l'instant. Attention quand même à cette action qui pourrait être dangereuse, exactement l'open qui sera pris par Lowers. Voilà, on disait justement qu'il n'y avait pas forcément encore eu d'action pourtant très dangereuse qui ont été menées, et bah voilà, il aurait pas fallu attendre longtemps. Allez, 42, on peut largement voir MFF revenir au score. Allez, aussi Doopsy. C'est une petite backpass pour L3, c'est plutôt pas mal fait, ça s'est bien goupillé entre les deux joueurs. Et puis d'ailleurs, attention à cette touch de balle qui pourrait être dangereuse, on s'est fait peur là, je crois, entre les joueurs T2S, on a un petit peu sué cette touch de balle de Aenir qui l'a mis dans l'air. Et directement l'open qui est pris par Oopsie Doopsie. Voilà, les pendules sont remis à zéro directement. On a profité de ce petit trou dans la défense. On n'a pas eu le temps de se replacer suffisamment vite du côté de Aenir. Ça a été à l'avantage de MFF. T'as bien vu pour le coup. Allez, kick-off à l'avantage de MFF, encore une fois, est-ce que Oopsie Doopsie va pouvoir en profiter? Hero Follow, le contrôle avec Aenir, on a vu son mate, l'appel de balle directement infield. Oula, Lowers, encore une fois, on s'est un peu précipité, il faut prendre son temps sur ce genre d'action, surtout que là, il n'y avait pas forcément de grosse pression qui était mise en face. Plutôt bien fait, là, Hero Follow, là, dommage, personne ne sera là pour essayer de récupérer à la lucarne. Ah, Glory, attention, ce contrôle là, dans son corner, ça aurait pu être dangereux, heureusement que Oopsie Doopsie pourra décaler cette balle de son cadre. Allez, on a l'open devant soi, dommage, côté d'Oopsie Doopsie, on a pris un peu trop son temps pour le coup, on avait les cages grandes ouvertes devant soi. Allez, Hero Follow, qui encore une fois se retrouve avec de la ressource, on est encore là, est-ce qu'on peut venir servir ces mecs? On arrive à éliminer deux joueurs, Oopsie Doopsie qui d'un réflexe là, va pouvoir casser cette balle. Allez, Powers pour cette relance directement. On va essayer de venir chercher un mate middle, malheureusement personne n'est là, on va pouvoir tenter un crochet. Le premier joueur qui est éliminé, Oopsie Doopsie encore une fois qui tiendra bon tant que dernier défenseur. Aenir ou la petite touch, je ne pense pas que ça pourra aller plus loin que ça. L3 qui va pouvoir en profiter, petite back pass. Bon, Glory qui n'est pas forcément bien placé, attention quand même à Aenir qui pourra en profiter à cette balle là qui revient infield. Petite accélération de T2S. On a senti un certain moment de flottement là dans ce corner, on savait pas trop comment s'en sortir avec cette balle du côté de Glory et de son mate. Et on a su en profiter du côté de Hero Follow et de Aenir. Très bien vu hein. Les 18 secondes, c'est pas fini, on peut largement encore revenir au score du côté de MFF. Si, pourquoi pas, est-ce qu'on va pouvoir éliminer un premier joueur? Cette balle qui est renvoyée sur le corner opposé, peut-être Glory. Voilà, malheureusement, ça va être compliqué, on a pris un mauvais rebond L3. Ah, est-ce qu'on peut venir chercher second poteau? Non, mais Hero qui sera là pour défendre magnifiquement bien. 0 secondes, il ne faut pas laisser cette balle tomber là, on est dans le camp directement. Ce premier poteau qui sera pris par Oopsie Doopsie. Très bien vu de sa part, le solo play, il a plus ou moins sauvé cette game à 0 seconde. Incroyable, directement en prolongation.
Allez, avantage pour MFL sur Skiko à Flo, voir ce qu'il y a directement pour un reprendre sur le voilà, sur une accélération. L3, c'est clairement devant, c'est une option de tenter en mise in field. L3, on est plutôt bien placé, on va venir chercher Prépoto, mais Ainur était placé. Allez, Lowers, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut essayer de reprendre directement? Oupsi doupsi, cette balle qui va être envoyée sur Blackboard. On a essayé de se setup une double, mais c'était compliqué, c'est parti un peu vite. Oh non, c'est terrible! Ils sont tous partis sur cette balle! L'open qui est pris par Ainur juste derrière! Ah, L3, il fallait. C'était... Je sais pas s'il a été bump par Lowers ou s'il a décidé de partir. On voit pas sur le ralenti. J'espère qu'il a été bump parce que c'était pas le moment de décider de partir. Ah, et c'est T2S qui, du coup, remportera encore une fois de plus cette game et qui, du coup, part directement en game de match. C'est-à-dire que c'est leur dernière game. Il leur manque plus qu'une game, puis ils sont bons, mais attention, parce qu'on a senti que ça se jouait un peu plus serré quand même, là, du côté de MFF. On avait un peu plus à se trouver entre les joueurs, il y a un peu plus de répondants qu'au premier match. Donc pourquoi pas avec ce troisième match, peut-être un retour de notre équipe violette. Je ne demande que ça, aller jusqu'en game 5, offrir du spectacle au stream. Donc pourquoi pas. J'ai envie d'y croire. Ah, j'avoue que un river sweep de MFF serait... serait assez goldé pour le coup. On peut espérer, mais de toute façon, le stream ne demande que ça. Hein. Une game 5, faire durer le spectacle. Dans tous les cas, troisième manche de ce BO, on est directement reparti. Bon, encore une fois, c'était Dusk qui a l'attaque, mais elle croit qu'il va pouvoir calmer, il faut mourir. Allez, on fout attention à ne pas se rater cette balle qui est au milieu de terrain. Attention à ce rebond backboard qui pourrait être dangereux, il va falloir intervenir du côté d'Oopsie Doopsie. Un petit peu raté cette relance, ce sont quand même un lower, ce ne sera pas du tout cadré pour l'instant, on est toujours sur le backboard. On essaye de marteler un petit peu cette défense d'MFF, mais pour l'instant on ne trouve pas le cadre. Il y en a un premier joueur. L3, cette balle qui sera levée, attention quand même à lower, ce qui va partir, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Voilà, on prend le rebond dans le corner, Berroflo peut-être pour le tir, une fois de plus. Ce pauvre backboard qui se fait maltraiter depuis tout à l'heure. J'ai mal pour lui le pauvre, mais attention à Glory là qui va venir pouvoir chercher ce second poteau, ça ne passera pas. Allez, Lowers, on a réussi à éliminer un premier joueur. Si le physique qui est pris, ça part directement sur le wall opposé. Glory qui est passé très bien vu ce petit contrôle sur le wall. Attention, il faudra essayer de reprendre parce qu'Ainir était présent. Oh, ce 50 de Ainir, incroyable, le rebond sur la crossbar, mais ça ne passera pas. On s'est fait très peur là du côté de MFF. Ainir qui a pris un 50 du futur. C'est incroyable. Pour l'instant, c'est toujours le statu quo 0-0, mais attention directement à cette balle de Oopsie Doopsie. Et voilà, je crois que c'est pour la première fois de ce BO, MFF qui va venir ouvrir ce score. Cette petite touch de Oopsie Doopsie l'a très bien vu juste en dessous de Berroflo qui avait tenté de pré-shot un tir peut-être un peu plus haut. Très bien vu de la part de MFF. Allez, on est dans le corner violet, Oopsie Doopsie encore une fois, on prend un petit... contrôle, c'est plutôt pas mal fait. Malheureusement, cette balle qui a directement renvoyé sur ce backboard. Allez, la balle qui est levée. Oupsi doupsi, est-ce qu'on peut en profiter? On décide de prendre son temps, ou là peut-être un peu trop pour le coup. Allez, cette balle qui est levée. On peut setup une double L3 qui empêchera ce rebond backboard. Très bien défendu pour le coup. J'ai envie de encore une fois, on vient chercher pour premier poteau, mais c'est une petite frappe. Pas de problème pour Glory, ça sera clear extrêmement facilement. On essaie de donner un petit peu d'impulsion. Ainir présente premier poteau, c'est renvoyé dans l'axe. Est-ce qu'on peut essayer de tenter le solo play? On arrive à éliminer deux joueurs. Non, ça ne passera pas, hein. Cette balle qui est renvoyée sur le vol opposé. Pour l'instant, on tient bon. On est avec Berroflo. L3, attention à ne pas traiter sur cette relance directement. On est encore une fois collé entre Ainir et Lowers. Ces joueurs qui jouent en duo depuis le début de ce BO. Allez, Berroflo, encore une fois. Lowers qui va décider de passer devant. Lowers qui aime prendre de la vitesse. Hein. Passer juste devant ses mecs et subtiliser le ballon. On rappelle que, attention, ce genre de tactique, ça peut être très dangereux. Et là, faut essayer de récupérer le boost mid, malheureusement ça pourra profiter du coup à L3 qui va clear loin devant. Lowers, attention de ne pas se rater. Cette mise in field c'est beaucoup trop là, malheureusement on pourra pas faire grand chose. Peut-être Glory pour le premier poteau. Le rebond qui pourra profiter peut-être au Psydoopsy directement, mais bien sûr, c'est très bien goupillé là entre les joueurs de la MFF. On était voilà, Lowers. On disait tout à l'heure, Lowers qui veut aller un petit peu vite en besogne. On avait suivi son mate d'un peu trop près. Malheureusement, on n'a pas le temps de se replacer backpost du côté de son mate. Et ça donne plus ou moins l'open pour Psy Doopsy. Le break qui est créé, 2030, pour l'instant, c'est assez confortable pour notre équipe de l'MFF. Peut-être un troisième but pour le coup. Non, ça ne passera pas, malheureusement, c'est le backboard qui est trouvé.
Allez, aussi ici encore une fois. Est-ce que c'est cadré le rebond qui est peut-être pour lui profiter? Non, heureusement, c'est un petit peu raté. On pourra décaler cette balle du côté de T2S. Allez, L3, on va essayer de donner un petit peu d'impulsion, un peu de hauteur à cette balle. Le rebond qui est pris sur le backboard. La démo qui est faite pour se donner un petit peu de face, pas mal. Son plein axe, son petit qui va pouvoir en profiter. Allez, il va peut-être pour défendre ce rebond. Si Doupsi, encore une fois, on vient chercher contre poteau. Oh, Berofolo qui s'est un petit peu fait avoir. Est-ce que on peut prendre ce goal du côté de Glory? Mais bien sûr, c'est une évidence pour les joueurs. Ah, ça y est, on assiste au réveil là de MFF. Cette défense de T2S qui avait si bien tenu jusqu'à maintenant est un petit peu mise à mal dans cette manche 3. MFF qui semble avoir trouvé la recette pour dominer leur adversaire jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est leur avantage et ça se plie plutôt bien. Allez, L3, cette balle qui sera levée. Oxydipsy peut-être pourra en profiter. Ou alors, ça, c'est un raté de la part d'un joueur. Est-ce qu'on peut essayer peut-être une backpass pour Glory? Non, malheureusement, il n'y aura pas suffisamment d'impulsion là pour. Ça lui soit favorable. Et on follow cette relance qui sera ratée. Le war sur attention cette petite touch qui renvoie cette balle en arrière. Est-ce que ça va pouvoir profiter aussi d'Oopsie directement? On a essayé peut-être de venir chercher son raid L3. Je sais pas si c'était forcément un tir raté ou un fake ou même une passe. En tous les cas, attention à cette balle qui peut être très dangereuse dans ces cages de MFF. Ceci que dit encore bien, mais attention bien au follow qui sera là directement pour pouvoir remettre une field. Glory qui va clear sans trop de problème. Ah, il en arrive à lui un premier joueur. Doupsi, attention à ce qui tourne qui pourrait être dangereux. Lowers directement le tir, on vient chercher cette lucarne. Malheureusement, c'était pas cadré. On a tenté le petit toucher du côté de Lowers pour venir trouver ce goal, mais ça ne passera pas. Allez, Doupsi, on tente directement de passer sur le goal opposé. Mais on était présent du côté de T2S pour pouvoir cut cette balle. Allez, 55 secondes. Encore faisable pour T2S, mais il va falloir se réveiller très vite. Doupsi, ou ce contrôle incroyable, Ainir qui est très bien placé, mais très bien vu de la part d'Oopsie Doupsi. Ça y est, c'est le réveil, hein, c'est le réveil de MFF, là, on les sent plus en forme que jamais. Pas bien joué ça, pour les poteaux, Oopsie Doupsi, se sécuriser encore là, pas trop de problème. Et bien, Oculo, c'est peut-être le moment d'en profiter, mais Oopsie Doupsi qui sera là pour empêcher cette relance. Ainir, on va essayer de faire drop cette balle, ça, pour pouvoir profiter de la Glory. L3 pour cette relance, hein, malheureusement, ça sera directement cut par Berufolo. Oopsie Doopsie encore, on essaye d'y aller, on consomme beaucoup de boost, malheureusement on pourra pas y retourner sur cette balle qui nous est en vie. Ouais, c'est pas mal ce petit rebond backboard, attention quand même à ce que vos mates soient placés juste derrière. Heureusement pour l'instant ça profite, ouais 5 secondes, je pense pas qu'on puisse en faire grand chose côté T2S, il va falloir concéder cette game MFF et c'est largement mérité. Ah, clairement, c'est le réveil là de notre team violette pour le coup. Il fallait chauffer sur les deux premières games, mais là, ça y est, il semble être parti pour le coup. Attention, retour de flamme hein, du côté T2S. Je pense que si on ne réagit pas maintenant, il y a moyen que MFF revienne. Donc attention, surveillez vos arrières. Ils ont l'air d'avoir démarré au quart de tour. Merci, j'avais pas vu. Merci Groulem TV pour le follow, bientôt sur la chaîne. Allez, toujours balle de match pour T2S, MFF qui semble s'être réveillé. Je vous laisse faire vos pronostics dans le chat, voir ce que vous en pensez. Est-ce que ce réveil de MFF suffira ou est-ce que T2S va directement pouvoir s'adapter? Pour l'instant, on ouvre le score côté T2S. Et on semble avoir reçu le message, hein. on a compris que ses adversaires étaient enfin entrés dans leur BO et on essaye de prendre de la pression de suite. Et ton deuxième kick-off a vraiment davantage, Oopsie peut-être le pinch qui va être tenté, Berufolo c'est très bien vu, ça en empêchera ce pinch qui aurait pu mettre un petit peu en danger cette défense. Pour l'instant on a un petit peu du mal à quitter ce milieu de terrain, on se renvoie la balle entre les deux équipes. Cette balle qui traîne toujours, mais putain, on a l'open devant soi. Allez, Berufolo, faut pas se rater. Cette balle qui renvoie directement, est-ce que c'est cadré? Non, ça devrait venir trouver le poteau. Quel dommage pour Berufolo. Et le ward directement, encore une fois. Ouais, malheureusement, ça trouvera le. Malheureusement, heureusement, ça trouvera le poteau, mais cette fois-ci, ça rentrera. Ça rentrera, pardon, excusez-moi. Ah, ça y est, il semble avoir reçu le message T2S. Hein. On a senti de l'accélération. Ils sont en sécurité avec leurs deux games d'avance. MFF leur a fait comprendre que eux aussi étaient là. Et pour le coup, pour l'instant, on a su très bien s'adapter. Hein. La vitesse qui est reprise du côté de T2S, j'ai bugué, mais
MFF qui sera là, qui sera présent pour venir un petit peu réduire ce score. Très belle touch là, de part de Glory directement second poteau. Aïe, on a encore, on est manqué encore de ressources. On a voulu récupérer préflip, mais ça ne passera pas. Oh, je sens que cette game est va être intéressante. Hein, allez, mon avis, ça va jouer très serré, ça va jouer vif. Attention, il y a là directement qui en profite peut-être sur rebond pour profiter à Lowers. Ah, c'est dommage, on était présent sur ce backboard pour pouvoir défendre du côté de non, c'était les trois qui étaient sautés. Ouais, Aigner, très beau air control là pour le coup. On est resté calme. Le break qui est créé, il reste 4 minutes, rien n'est joué encore. Reprendre Berofolo, on a pris un très bon fit. Ça va drop juste dans les cages, Aigner peut-être pour remettre. Non, ça va prendre un rebond photo, peut-être Berofolo pour venir chercher ce quatrième but. Oh, ça y est, MFF qui croyait avoir mis de la pression sur cette équipe de T2S, mais on leur fait bien comprendre que ce n'est pas le cas et que pour l'instant c'est bien cette équipe qui domine. Et non, Narashi, c'est pas fini. Il reste 4 minutes. On peut encore faire des miracles en 4 minutes. Faut avoir confiance. Attention quand même, ouais, mais il faut pas laisser ce genre d'occasion entre les joueurs de T2S. C'est trop beau pour eux, là, ils en profitent. Alors, on a senti une accélération là du côté de T2S. Ça joue beaucoup plus vite. D'ailleurs, on a surtout l'impression que ils sont plus à l'aise à jouer comme ça plus vite que peut-être sur les premières games où ça jouait un peu plus patient. Et 3 points pour cette relance, mais Berofolo, ça sera que directement. Oupsi, puis backboard, c'est envoyé. Attention, Aigner qui va pouvoir cut cette balle directement, ça va venir trouver le backboard. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre? Ou L3 qui met un peu de temps à sortir de ses cages, mais cette balle qui sera envoyée directement en posé. Glory qui backboard, ce clic clairement devant, c'est plutôt bien fait, dommage, pas cadré. Et Aigner pour sécuriser cette balle, on prend le gros boost. Est-ce qu'on peut tenter la transivole directement? On a l'open devant soi. Du côté de MFF, là c'est compliqué, J'ai l'impression que les joueurs n'y croient plus là, ils sont tous les deux au même endroit, je ne sais pas. Allez MFF, confiance, on est avec vous. Minute 23, 6-1 pour l'instant, c'est un massacre pour T2S. Oh, ce pitch de L3, pas mal joué directement. Est-ce que c'est cadré? Ça viendra trouver le cadre. Et voilà, il suffisait de se motiver un petit peu. Très bien vu là pour le coup, ce grand pinch, incroyable. Allez, 3 minutes, 4 buts, c'est largement faisable pour MFF. Il faut retrouver la foi, le mojo. Et cette balle qui va peut-être pouvoir profiter à Glory. Ah, les 3 qui étaient partis, ouais, parce que c'est aussi qui va décider de ne pas partir. Il savait qu'il était derrière un défenseur. Il ne peut pas se permettre ce genre de folie, surtout avec un score pareil. Allez, L3, directement, c'est trop mise infield. Pour Oupsi, peut-être, cette balle qui va... Ah, malheureusement, elle ne droppera pas. Je m'attendais à un drop, vu que c'était un tir. Ça ne prendra pas. Allez, L3, directement, on va essayer de venir chercher ces trous dans cette défense. Malheureusement, ce petit toucher-là qui ne suffira pas. C'est un petit peu raté. Oui, c'est envoyé pénal, directement. Le worst pour le cut. Allez, Oupsi, ou ce pinch, peut-être qu'il va venir servir à Aigner directement. Heureusement, on a pris un peu trop de vitesse. Berofolo, on essaie de setup une double tap. Oupsi, peut-être pour le cut. Cette balle qui a tempo directement devant les cages. Est-ce que le worst peut essayer de reprendre? On va venir chercher le rebond dans le corner. Attention, cette balle qui reste extrêmement dangereuse. On a bump L3. Est-ce qu'on peut essayer de s'en dégager du côté des Glory? Malheureusement, on est en miss rotate là pour le coup. On fait dos au jeu. Et Berofolo pour sa mise in field. Ça va être à Glory d'y aller. Attention quand même à Aigner, cette prise de vitesse directement L3. Ce sera clair, c'est trop de problème. Ça empêchera ce retour là en surface grise. Directement peut-être L3. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de vitesse cette balle qui a mis une file ou si peut-être pour en profiter, on vient chercher ce second poteau. Ça m'a envoyé beaucoup trop loin malheureusement, l'angle qui est un peu trop grand. Le ballon encore, est-ce qu'on peut en profiter directement hein? Malheureusement, Glory, je pense que. On s'est fait un peu surprendre, c'était pas forcément à ce que cette balle aille aussi bien se mettre face au cage. Voilà, le Worski une fois de plus, un open devant son on décide de pas le tenter. Je pense qu'il avait, vu son adversaire qui était placé. Là, Berofolo, on a failli encore une fois rentrer cette lucarne rentrante. Allez, 1 minute 30, il faut se réveiller maintenant là, du côté de MFF.
Hero Follow, c'est plutôt bien fait, récupération de balles, et 3 pour le clear, ça ne touchera pas le Vagabond. Est-ce que Glory pourra pas en profiter peut-être le redirect du joueur de MFF, tout ce que... Et 3, cette prise de vitesse, ça ne prendra pas pour l'instant. Et Nihon arrive à éliminer toujours de la défense, c'est plus ou moins open, c'est remis infield directement, Hero Follow pour en profiter. Ouh, c'est ce poteau qui vient de se prendre la gifle du siècle. Voilà, après le backboard, c'est le poteau, il n'y a pas de jaloux ce soir. Tout le monde y a le droit et L3 va peut-être pouvoir en profiter directement. On arrive petit à petit à réduire cet écart du côté de MFF. 1 minute, 3 buts. C'est compliqué, mais c'est faisable. Pourquoi pas? J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, parce que ça nous enverra en game 5. Ça serait assez goldé, donc j'ai envie d'y croire. Et bien, oh, c'est une balle qui est levée. L3 a un petit peu raté cette relance pour l'armée Trinfield. Si on décide de changer de side, est-ce que ça pourra leur profiter? Non, mais Hero Follow qui sera là, le petit contrôle de balle, on a des ressources, on s'est un petit peu précipité. On s'est emmêlé les pinceaux sur sa manette, j'ai l'impression. Allez, Aigny, on va pouvoir partir encore une fois sur le solo play directement, est-ce que c'est cadré? Et Sidoupsi qui sera là pour pouvoir défendre. Hero Follow pour le cut, allez, est-ce qu'on va pouvoir peut-être profiter du côté de Lowers? Glory qui sera là pour empêcher ce tir. L3 encore une fois qui passe à l'attaque directement, est-ce que c'est cadré? L3, mais c'est magnifique! Voilà, on réduit au fur et à mesure cet écart, plus que 2 buts! Chers spectateurs, plus que 2 buts entre ces deux équipes, il reste 26 secondes. C'est faisable pour cette équipe de MFF. Allez, un kick-off plutôt neutre, est-ce qu'on peut essayer de reprendre? Glory, on a les cages devant soi, on va tenter directement d'aller chercher cette lucarne. On va pas, Lower directement qui va pouvoir clear. Oh, attention à cette balle directement, c'est encore Glory qui sera présent. Allez, il reste plus que un goal là pour cette équipe de MFF, 16 secondes. Ça y est, ils ont repris du poil de la bête. On arrive à pousser cette équipe de T2S à faire des erreurs et on en profite. Mais 16 secondes, ça va être serré, mais c'est faisable. Attention à la Lowers qui pourrait. Ça va être dangereux. Le pinch de Aydir directement. Je ne parle pas de Aydir, j'ai dit Lowers. Oh, incroyable ce pinch de... Attends, c'était la passe de Lowers? Ah non, c'est juste que je n'ai pas vu Aydir arriver dans l'angle mort. Il y avait la voiture juste devant la cam. D'accord. Ah, on vient enfoncer ce clou là dans le cercueil qu'on avait commencé à creuser pour ses adversaires. Je pense que pour le coup ça va être compliqué de revenir après ça pour MFF. En tous les cas ils se seront extrêmement bien défendus, ils nous auront fait rêver sur cette dernière game. Étant donné qu'ils avaient quand même bien réduit l'écart. Et voilà, encore une fois on se permet un dernier petit pic de la part de T2S. On vient encore enfoncer le clou. Ah, c'est dommage pour MFF qui s'est extrêmement bien défendu là, qui nous a fait le meilleur watté, pourquoi pas une game 5. C'est dommage, moi je pense que, après du coup c'est un tournoi, mais je pense que faudrait que les équipes se rencontrent peut-être une prochaine fois, je sais pas, pour un showmatch ou quelque chose. Moi je serais très content en tout cas de revenir cast ces deux équipes, parce que honnêtement, c'était plutôt pas mal. Attends, je le micro juste en face. C'était plutôt pas mal, hein, parce que du coup, moi, on m'a dit que c'était du niveau diamant, et c'est vrai que pour du niveau diamant, c'est extrêmement respectable. Hein, c'est-à-dire que diamant est pas forcément un rank que les gens apprécient beaucoup. On a beaucoup tendance à se moquer un peu de ce rank-là, étant donné que on rentre pas dans le champion. Mais là, je trouve que pour du diamant, ça a joué extrêmement bien. Chaque équipe a ses qualités, et je pense qu'on va pouvoir en jouer. Dans tous les cas, GG à T2S qui ont mené ce BO pas d'une main de fer, mais presque. Un énorme merci à MFF qui nous aura fait miroiter une game 5. C'était assez incroyable cette mini remontada en fin de game 4. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait délirer. J'espère que vous avez kiffé aussi. Du coup, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, la VOD sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez trouver du coup dans la description de Twitch, les petits boutons juste en dessous de la vidéo. Il y a ma chaîne YouTube, vous pouvez aller vous y abonner. Je mettrai du coup la rediffusion de ce stream là si vous voulez remater votre match pour voir vos erreurs et essayer de vous améliorer. Il n'y a pas de souci, tout est disponible sur ma chaîne, donc sûrement peut-être ce soir ou demain, je verrai comment ça se goupille. Voilà, dans tous les cas, bah écoutez, un super plaisir. On refait ça quand vous voulez, les gars, les deux équipes, un show match ou peut-être sur un prochain tournoi. Peut-être pourquoi pas plus tard dans ce tournoi si ces deux équipes sont amenées à se rencontrer. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, les gars, et à la prochaine. Allez, salut!